Bonjour la famille, ça va ou quoi? Vous allez bien? Bah écoute, moi ça va. Hein. Écoute, je viens de me réveiller d'une sieste de 1 heure. Je me sens bien. Prêt à regarder écoute, mon club. Hein. Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Real de Madrid ce soir. Ça va être un très très bon match, un gros match. Un match à ne pas louper. Donc voilà quoi. On va regarder ça tranquillement, au calme. J'attends les amis. Je vais préparer la maison pour accueillir les amis, les fanatiques aussi. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi, comme vous le savez déjà. Mais bon, écoutez, je suis un peu. J'aimerais vous parler juste 2-3 minutes, d'accord? On ne va pas chercher à aller loin. Et je vais aller, comme vous me connaissez, comme vous savez qui je suis déjà. Je suis très très direct dans mes propos. Et je l'ai été toujours, j'ai été toujours comme ça. Et je ne vois pas pourquoi je changerai aujourd'hui. Donc c'est pour vous parler de ma sélection, de notre pays. Et voilà. Bon, je tiens aussi, je profite de l'occasion aussi pour dire un grand merci à la CAF. La CAF, ils m'ont invité pour la CAN. J'ai regardé 3-4 matchs à la CAN au Cameroun. J'ai navigué un peu plus entre Douala et Yaoundé. Des matchs extraordinaires. Des vrais matchs. C'est une fête continentale. Donc écoute, j'étais très ébloui d'avoir pu participer à la CAN. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire 5 CAN dans ma vie, mais 5 CAN en tant qu'acteur ou en tant que joueur ou capitaine de la sélection togolaise du football d'une chance. Mais pour une fois, c'était éblouissant, c'était émouvant, c'était. L'émotion m'a pris, d'accord, dans le bon sens du terme, toujours. Parce que je pense que la CAN, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une fête en Afrique. Aujourd'hui, je vais aller droit au but. Je vais vous parler tout sincèrement de ce que je ressens. Et ça vient de cœur. Après, on doit laisser. Je ne perds rien, je ne gagne rien. Et en sachant très bien que c'est le Togo qui perd. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on a regardé la CAN. On connaît le pays qui a eu la chance de gagner la CAN, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est un beau pays, ça fait partie du meilleur sur notre continent. Et si le Sénégal a pu gagner la CAN, c'est parce que c'est un pays solidaire. C'est un pays. Bon, j'étais là-bas, j'étais à la CAN. J'ai pas eu la chance de regarder un match des Sénégalais, mais j'ai regardé le match du Sénégal, le Togo contre le Sénégal il y a quelques mois, de cela à Lomé. Et j'ai senti la solidarité entre les joueurs et le staff et la fédération et surtout les anciens joueurs. D'accord? Nous, on ne veut rien gagner aujourd'hui, mais on aimerait bien que le Togo, notre cher pays, se qualifie de nouveau à la CAN. Avant, c'était, comment dirais-je, c'était une CAN de 16 pays sur le continent et Togo se qualifiait une fois tous les 2 CAN. Maintenant qu'on a la chance que la CAN c'est à 24 équipes, presque la moitié du continent, on ne se qualifie pas. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça pas normal. D'autant plus que le Togo, aujourd'hui on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on parle de tout ce qui est Malawi, Burkina Faso. Je pense que le Togo, on a eu nos moments de gloire. Donc on peut toutefois le faire revenir. Mais en sachant très bien qu'on avait, si on a envie de le faire, c'est primordial, c'est très très important pour le Togo de se retrouver à la CAN 2023. On vient de louper la CAN 2019 qui se jouait dans l'an 2021 au Cameroun. Togo se fait éliminer. Maintenant, on a la CAN 2023 qui est encore une fois à côté de chez nous. Chez les pays, bon, on peut dire voisins, hein, parce que bon, entre le Togo, il n'y a que le Ghana qui est entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas pourquoi le Togo pourra pas, ou le Togo ne veut pas se qualifier pour la CAN 2023. Les joueurs, franchement, c'est vrai qu'en ce moment, à part Djéné Fodo là-bas, il nous manque quelques joueurs clés. C'est vrai, certes, je reconnais. Mais l'année où on était qualifié pour la Coupe du Monde en 2006, bon,
il y avait Koubadia Kader, il y avait Olufare Adekambi, Nibombé Daré, Agassakossi, notamment dans le but. Adebayo, je jouais à l'époque, je venais à peine d'arriver à Monaco. Donc voilà, on n'avait pas une grande équipe non plus. Mais on avait envie d'avancer, on avait envie de faire quelque chose. Un lien se créait. Et c'était une famille, on était prêts pour les uns et les autres, d'accord? On était prêts à tout pour la famille, on était prêts à tout pour le pays, parce qu'on voulait à tout prix que le Togo se qualifie pour la CAN ou le Togo aille loin dans les éliminatoires, ou le Togo, c'est là où c'était notre force, l'état d'esprit, l'enthousiasme, l'envie. Et aujourd'hui, je retrouve que, aujourd'hui, je pense que, on se retrouve dos au mur. On n'a plus envie de faire quelque chose de bien. On a peur de parler. Maintenant, je vais parler aux journalistes. Vous savez très bien que vous avez une équipe très jeune. Maintenant, à quoi bon ça sert de tirer sur eux? Tirer sur les Adebayor, tirer sur les Koubada Kader, tirer sur le Olufada de Kambi, les Djima Ouyaoulé, les Agassa Kossi, les Assimi Coman. Parce que nous, on a l'expérience, on a vécu ça. On a nos contre-balles à nous. On peut faire face à vous. Mais aujourd'hui, vous avez une équipe très jeune. C'est à vous de les accompagner. Je pense que la CAN qu'on vient de regarder, janvier-février 2022 au Cameroun, on ne le veuille pas. Les Togolais sont divisés, d'accord? Il y avait les Togolais qui, il y avait pas des Togolais qui supportaient le Sénégal. Il n'y avait pas des Togolais qui supportaient le Nigeria. Il y avait pas de Togolais et qui étaient pour... Ils étaient pour le Burkina, notamment moi j'ai supporté le Burkina, j'ai eu à supporter le Nigeria, le pays de mes parents, j'ai eu à supporter le Sénégal à la finale. Et, écoutez, vous avez franchement, l'émotion c'est très important, c'est extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde aimerait que son pays se qualifie pour la CAN. Voilà pourquoi je vous parle. Madame la ministre, vous étiez là, on a eu des réunions, j'ai été franc avec vous, je vous ai parlé. Que le truc qui peut me faire plaisir aujourd'hui, pour me rendre tout ce que moi j'ai su donner à ce pays, c'est de qualifier mon pays pour la CAN. Parce que comme ça, je peux être avec les jeunes frères, je peux avoir la gueule pour pouvoir parler avec mes anciens coéquipiers, mes anciens partenaires, mes anciens ex-footballeurs, notamment je parle de Steven Appiah, de Assamoah Gyan, de JJ Okocha, des légendes en Afrique, les gens qui nous ont montré le chemin. Mais aujourd'hui, j'ai plus de voix parce qu'on ne se qualifie pas pour la CAN et je ne peux pas me prononcer que... N'importe où je me trouve, je ne pourrai jamais me prononcer. Parce que Oladi Diouf, vous savez, il est comme ça, c'est Oladi Diouf, hein, c'est mon meilleur ami, c'est un aîné à moi, c'est un grand frère que je respecte énormément. Mais écoutez, le Sénégal a accepté. Aujourd'hui, c'est lui qui fait plus la fête. Les joueurs, les Sadio Mané sont déjà entrés dans leur club respectif. Les Koulibaly, il est déjà reparti à Naples. Et là, lui, au Sénégal, c'est lui qui fait la fête à leur place. Donc, sachez que si le Togo se qualifie et que le Togo gagne une Coupe d'Afrique des Nations, la gloire me revient à moi. Donc, maintenant, travaillons main dans la main. Madame la ministre, je vous ai dit, dès que les joueurs arrivent, d'accord, dans leur hôtel respectif, qui va être peut-être l'hôtel de février, si le match, bien sûr, se jouera à Lomé. Donc les joueurs vont être logés à l'hôtel de février. À quoi? Vous allez perdre quoi? Perdre quoi d'aller leur rendre visite? D'aller leur dire que le chef de l'État m'a dit. Parce que nous, quand on jouait, quand moi je commence à être le joueur important de ce pays, le joueur clé de ce pays, on était à l'hôtel où des fois, même si à l'entraînement, Omnisport de Lomé, le ministre ou le président de la fédération, ils venaient avec leur costume, avec les bodyguards, avec les gardes de sécurité, notamment on arrêtait l'entraînement, ils venaient nous dire que, ils venaient avec des messages, d'accord? Soit disant que les messages sont très très forts, mais nous, on est des joueurs, bon, les messages étaient très clairs, hein? Les chefs de l'État m'ont envoyé de vous dire qu'il est au courant qu'il y a un match, que si vous gagnez, etc. etc. D'accord? Mais on savait très bien que c'était du n'importe quoi. Mais au même moment, on se disait qu'il y a un pays derrière nous. Il y a un chef de l'État derrière nous.
même si on savait très bien qu'il n'était pas au courant qu'il y a un match dans le pays, ou il est au courant, mais nous, ça nous motivait. Et de temps en temps, je vous ai déjà dit ça dans une interview en parlant bien sur le Milan, où je vous ai dit que, par moment, la fédération ou le ministre à l'époque invitait des artistes pour venir chanter pour nous à l'hôtel. Vous allez leur payer combien? Ils sont contents de retrouver un artiste togolais, retrouve le footballeur togolais. Franchement, pour moi, c'est juste beau. C'est juste extraordinaire. Il va chanter, il va être content, il va prendre des photos avec les joueurs prendront des photos avec eux, et puis voilà, et on retrouve l'ambiance. Et maintenant, je demanderai aussi à tous les supporters, comme vous l'avez fait pour nous, notre temps, c'est vrai que parce que nous, on avait envie, nous, on vous poussait, moi, je donnais de l'argent, je donnais de l'argent pour faire des messes, je donnais de l'argent à l'église, j'envoyais des gens dans des mosquées, tout ce qui est Zongo, tout ça, pour prier pour qu'on gagne. Même si les joueurs ne le font plus aujourd'hui. Et j'en suis sûr et convaincu qu'il y en a qui le font, c'est normal. Mais nous, on peut le faire à leur place. Vous allez le faire avec moi. Et il y a quelque chose comme ça qu'on peut gagner la Côte d'Ivoire. C'est loin, mais c'est 45 minutes de vol. C'est peut-être, je ne sais pas combien d'heures de voiture, mais je pense que les Togolais ont plus d'accès ou ont plus de facilité pour se retrouver en Côte d'Ivoire qu'autre chose. Le président de la fédération, M. Akpovi, on en a longuement parlé de la sélection. Je vous ai donné tout, je vous ai donné les secrets de la sélection. Je vous ai dit comment faire pour préparer un match. Mais vous ne le faites pas. Et vous voulez que le Togo gagne? Et vous voulez que le Togo se qualifie? Vous n'avez pas honte? Franchement, vous n'avez pas honte? Ça fait, je ne parle pas de qui que ce soit. Je ne parle pas d'une personne, je parle de tout le pays. D'accord? Je sais que tout le monde a regardé la CAN et chacun a choisi son pays. Mais alors qu'on est fier d'être Togolais, on est fier d'être les gens de ce pays. Donc c'est qu'on doit supporter en premier sur notre pays. Avant de supporter notre pays, on doit tout faire pour se qualifier pour la CAN. Donc je vous dis, je vous invite. Moi je veux travailler avec vous. Vous le voulez ou pas, il y a des matchs, il y a 4 matchs en juin. Vous voulez pas. Je vous force la main. Parce que j'ai l'impression que il n'y a personne qui peut trouver les mots justes pour motiver le joueur comment. Et c'est ce que j'ai su faire durant toute ma carrière. J'étais le plus jeune capitaine de l'histoire de ce pays. Malgré mon âge, je dirigeais déjà mes grands frères. Je le disais ce qu'il faut faire. À quel moment il faut préparer le match? Qu'est-ce qu'il fallait manger avant le match? À quel homme parle pour le stade? C'est moi qui donnais le ton. C'est moi qui donnais le signal. Aujourd'hui, il n'y a plus personne et vous voulez vous qualifier? Franchement. Et je vais dans les vestiaires. On me dit de ne pas aller dans les vestiaires. Je veux soutenir mon équipe. On m'interdit de soutenir mon équipe. Alors que vous n'avez pas investi dans le football togolais comme moi. J'ai donné ma vie. J'ai failli mourir pas une fois. Pas 2 fois, à plusieurs reprises pour ce pays. On mettait la main dans la porte, on mettait la main, on faisait tout ce qui était de nos pouvoirs pour pouvoir gagner un match. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous faites quoi? Dites-moi, franchement. Donc les gars, je suis là. Franchement, je ne suis pas du tout énervé. Je vais essayer de prendre encore rendez-vous avec la ministre de la Jeunesse et des Sports. Je vais essayer d'appeler Akpovi, Monsieur Akpovi, excusez-moi, Monsieur Akpovi, le président de la fédération. On va discuter, on va parler. D'accord? Si le Togo ne se qualifie pas pour la CAN, et là vous allez reconnaître le chéri que vous avez connu dans l'année 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. J'ai eu des problèmes avec tous mes clubs. J'ai fait ma carrière dans ma bouche parce que j'avais une grande gueule. J'ai fait ma carrière dans la bouche parce que j'avais une très très grande gueule. Je disais ce qu'il fallait dire. Et je n'avais pas peur de qui que ce soit. Et je n'aurais jamais peur de qui que ce soit. Donc, désormais, vous avez fait venir un entraîneur. Vous avez chassé ou renvoyé notamment une légende qui a tellement fait pour ce pays, Agassa Kossi, qui était devenu l'entraîneur des gardiens. C'est Claude Leroy. Quelqu'un que je respecte énormément,
On se parle beaucoup d'ailleurs. Et jusqu'à présent, on a gardé le contact. Si lui, il a pris Agassa Kossi, il savait très bien qu'Agassa Kossi n'avait pas de diplôme nécessaire. Mais il a pris en tant que gardien, en tant qu'entraîneur des gardiens de la sélection togolaise du football, c'est parce qu'il en sait beaucoup de choses. Maintenant, le nouveau entraîneur ou la fédération ont trouvé qu'ils n'ont plus besoin d'Agassa. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous n'avez pas besoin d'Agassa et vous n'avez pas besoin des anciens joueurs, mais faites en sorte que le pays se qualifie. On a vu une équipe magnifique, d'accord, une équipe très très jeune. Mais on a juste besoin de quelqu'un, un motivateur. Quelqu'un qui a vécu ce qu'ils n'ont pas encore vécu. Quelqu'un qui a fait ce qu'ils n'ont pas encore fait. Pour leur montrer le chemin, pour leur dire ce qu'il faut faire, pour leur dire comment préparer un match, pour leur dire à quelle heure dormir, pour leur dire à quelle heure se réveiller, pour leur dire à quelle heure on part à l'entraînement, pour leur dire ce qu'il fallait manger juste avant un match. Vous me voyez, vous, chaque fois, oui, il fait ça, il fait ça. Oui, je le fais. Et je suis fier de ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, je faisais tout ça avant. Je faisais tout ça durant ou pendant ma carrière. Vous le voyez maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Il y a assez, vous avez tous assez, où il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qui est, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de notamment Facebook, Instagram, aujourd'hui il y a Snapchat, il y a TikTok, et vous voyez les vidéos. Mais vous croyez que quand j'ai joué à l'époque, je n'étais pas comme ça? Vous croyez que du jour au lendemain, je suis devenu fou? J'étais toujours comme ça. Et j'ai fait ma carrière basée là-dessus. Donc laissez la personne que je suis et demandez-moi comment je pourrais vous accompagner. Demandez-moi comment je pourrais vous aider pour que le Togo ou le football togolais retrouve le sourire. J'en suis capable de le faire juste avec ma bouche, juste avec ma parole, juste avec mes paroles, parce que je sais comment séduire un joueur. J'ai été dans la classe des grands entraîneurs. José Mourinho, Arsène Wenger, Roberto Mancini, Harry Redknapp, paix à son âme, Stéphane Keshi. J'ai joué avec et j'ai joué contre tous les meilleurs joueurs de toutes les générations. J'ai joué contre l'ancien Ronaldo le Brésilien, j'ai joué contre Zinedine Zidane, j'ai joué contre Roberto Carlos, j'ai joué avec Cristiano Ronaldo, j'ai joué avec Thierry Henry. Mais les gars, mais j'en sais beaucoup de choses. Comment faire pour que le Togo se qualifie? C'est très simple. Si le Togolais, si nous-mêmes, on se mobilise, on se sensibilise, il y a de la sensibilisation entre nous, dans la population, dans le peuple, et on veut que le Togo gagne. Franchement, ici, chez nous, on a 6 matchs, d'accord? Moi, je pars bientôt en match pour les tirages au sort, pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et automatiquement, s'il y a 6 pays, il y a 3 matchs à la maison. Vous croyez que si le Togo se mobilise, si les Togolais sont motivés, vous croyez qu'on n'a pas gagné 3 matchs? On n'est pas capable de gagner 3 matchs à Lomé. Chez nous à Lomé, on gagne 3 matchs, ça fait 9 points. On est automatiquement qualifié. Mais les gars, donc dans ce cas-là, on va tous travailler main dans la main comme c'était avant. Dès que j'aurai les dates, moi-même, je vais vous informer encore via mes réseaux sociaux comment on va préparer le match, qu'est-ce qu'il faut faire. L'argument qu'il y avait avant, quand nous on jouait, à 9h, on se réveillait à l'hôtel soir, à l'hôtel de la paix, à l'hôtel Palm Beach ou à l'hôtel Saracoa, on ouvrait les fenêtres, on voyait les émigrateurs, on voyait les taximans avec le drapeau togolais. C'est beau. Vous voulez pas passer des moments comme ça? Moi, en tout cas, moi j'ai envie. Maintenant, j'aimerais bien dans la rue ou être dans un bar avec les amis. Je bois du cocktail en disant que c'est le Togo qui joue. Les gens vont me dire, c'est ton pays. Oui, c'est mon pays. Oui, je suis togolais. Oui, je suis fier de l'être. Donc les gars, en tout cas, on ne va pas polémiquer là-dessus. Maintenant, désormais, on va rajouter sur mon hashtag Togo AFCON 2000 ou Togo CAN 2023. Côte d'Ivoire, on va tous y aller. On va voir avec le gouvernement, avec la fédération. Si la madame la ministre est encore là, tant mieux. On va voir combien de bus
les Togolais pourront organiser pour que les Togolais aillent à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et je vous donne ma parole, si le Togo se qualifie, je serai devant vous. On fera tout pour que les Togolais aillent en nombre en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il y a déjà beaucoup de Togolais vivant en Côte d'Ivoire. Donc ça ne peut qu'être magnifique. Et je suis très aimé là-bas. Donc je pense que c'est en ce moment qu'il va falloir profiter. D'accord? Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Vous savez très bien que moi, j'ai fait des lives très, très rarement. Donc, je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur, comment il va falloir entretenir les joueurs, comment il va falloir leur aborder. C'est très important. Il va falloir juste leur dire que les gars, vous êtes bons, vous êtes capables de faire. J'ai regardé le match Togo-Sénégal. On a fait 1-1 chez nous. 1-1 chez nous contre le Sénégal, le champion d'Afrique actuel. On a fait 1-1 chez nous. On va avoir peur de qui de Burkinabé, sans manquer de respect aux autres pays, bien sûr. Mais c'est le Togo. N'oublions pas ça. Ici, c'est chez nous. Donc, tous les matchs, moi, j'ai fait peut-être quoi, 20 ans de sélection. J'en ai perdu peut-être 3 ou 4 matchs chez moi à Lomé. Je ne perds pas chez moi. Je ne perds pas chez moi. Et c'est pas normal. Et les Togolais ne doivent pas accepter ça. Donc, si on gagne 3 matchs sur les 6 matchs pour les éliminatoires, automatiquement, le Togolais est qualifié. Coach Doité, c'est vrai qu'on a eu la chance de se croiser vite fait à Totti. J'ai pas grand-chose à te dire. Et tu sais très bien comment ça se passe en Europe ou partout où tu as eu la chance de travailler. S'il n'y a pas les résultats, tu es là pour nous amener à la CAN. Donc, tu es là pour construire une équipe, pour construire une équipe, d'accord? On va te soutenir, on te soutient. Mais on veut les résultats. Et comme tu le sais très bien, je suis un compétiteur. J'ai joué dans tous les clubs. J'ai joué dans toutes les grandes équipes au monde. Donc, dans les grandes équipes comme le Togo, on te demanderait que de nous amener ou de nous apporter les résultats. Et je sais que tu en es capable. Tu en es capable. Donc, si tu as besoin de qui que ce soit, et je te dis, un ancien joueur, ramenez les anciens joueurs. Regardez l'équipe du Sénégal. Ambassadeur itinéraire du pays, Eladi Diouf. Entraîneur à l'UCC, entraîneur adjoint à Lamine Diatta, entraîneur de gardien, Tony Siva, tous les noms que je suis en train de vous citer, ce sont les gars qu'on a eu la chance d'éliminer pour la Coupe du Monde 2006. Maintenant, si on parle des Togolais, on parle de la sélection togolaise. Quel ancien joueur travaille avec la sélection? Zéro. Quel ancien joueur travaille avec la sélection togolaise du football? Zéro. À part Serge Akaku, qui fait son boulot, mais je pense qu'il est là pour, comment dirais-je en français, il est là pour ses petits problèmes avec, j'ai eu énormément de problèmes en sélection avec beaucoup de joueurs, notamment des anciens joueurs. J'ai eu un gros problème avec Koubadja Kader, j'ai eu un gros problème avec Agassa Kossi, mais aujourd'hui on n'est pas des ennemis. Mais parce que j'ai eu des problèmes avec Nibombé Daré, où on s'est tiraillé même à la radio. Il était en Belgique, j'étais en Angleterre, on a fait des interviews, on s'est insulté à la radio. Mais ça ne nous a pas empêché de jouer la CAN 2013 ensemble en Afrique du Sud, et ça ne nous a pas empêché non plus d'être qualifiés pour les quarts de finale. Donc aujourd'hui, c'est Jacques, je n'ai pas de problème avec toi, tu es un petit frère, et c'est moi, oublie pas que c'est moi qui t'ai appelé pour que tu viennes jouer pour le Togo. Quand tu jouais à Auxerre, tu disais que tu voulais jouer pour l'équipe de France. Aujourd'hui, tu es venu, on t'a accepté. On t'a ouvert les portes, d'accord? Je suis très content pour toi. Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu travailles à la télé, magnifique. Mais ici, là, c'est le Togo. Donc, si tu viens au Togo, soit tu viens travailler avec le Togo, tu qualifies le Togo. Si c'est pour régler les comptes avec des anciens joueurs, ça ne passera pas. N'oublie pas que ce que j'ai fait dans ma carrière, vous ne l'avez pas fait. Et je te dis, et je sais que le message là, tu vas l'avoir. D'accord? Donc, je suis là pour vous accompagner. Quand le Togo, la sélection partait en Turquie, vous n'avez pas les moyens pour avoir les visas? C'est moi qui ai appelé l'ambassadeur au Bénin pour vous donner les visas. Toi, tu étais en France. Donc, ton boulot, c'est de venir à Lomé travailler avec la sélection. Elle a dit, Diouf, il vit au Sénégal. Je ne te dis pas du tout de venir t'installer à Lomé. Non. Mais quand le Togo a match, fais en sorte que tu rentres avant tous les joueurs. C'est comme ça, c'est ça un team manager.
je ne veux pas prendre ton poste, hein. Je ne veux pas être team manager. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas aujourd'hui, demain, ce n'est pas du tout mon objectif. Et ça ne serait jamais mon objectif. Mais je te dis comment faire ton boulot. Donc les gars, objectif Cannes 2023. Mais s'il y a une erreur, s'il y a quelque chose qui se passe en sélection, vous pouvez, la population, désormais, j'ai mis encore le meilleur numéro 4 que vous connaissez. Je suis encore à Adebayor. Aujourd'hui, je ne joue pas. Je vais vous donner les informations dès l'intérieur de la sélection. Si c'est avec la force que les trucs doivent bouger dans ce pays, on va utiliser la force. Si c'est avec la bouge que le Togo doit être qualifié pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, on va utiliser la bouge. Si c'est sur un terrain de football que le Togo doit se qualifier, on va le faire. Donc les gars, big up à vous, long life à vous. Donc écoute, je vous dis, passez une bonne soirée. Il est bientôt, bientôt 20h. Je me prépare pour regarder Real de Madrid, au Paris Saint-Germain, Real de Madrid au Parc des Princes. À la Madrid, big up à vous. Inch'Allah, si Dieu met la main dans nos souhaits, on se retrouve à la CAN 2023 avec notamment mon pays, le Togo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.